Je suis avec Papa Style, donc, qui est aujourd'hui de ce Sunska. Bonjour Papa Style. Salut Kika, ça va ? Ça va. Et toi ? Bien passé ? Ça va super bien, ça s'est trop bien passé. Trop. T'étais chaud sur scène, hein ? Bah, c'est ce que tout le monde me dit là. J'ai fait mon tour après dans le festoche, signé les affiches, rencontré les gens et tout le monde m'a dit putain, mais quelle énergie et tout. Je leur dis bah, je sais pas faire autre chose. Et puis ce petit déhanché que tu as. Ah ouais, je l'ai fait. Je t'avoue que je l'ai pas, c'est très instinctif. Alors il y a des soirs, il m'est arrivé de le faire, pas en calculé, mais tu sais, genre bon, maintenant je vais faire un petit déhanché. Mais là, tout était vraiment instinctif ce soir. Donc tu vois, tu me l'apprends en fait. Je me suis même pas rendu compte que j'ai fait le déhanché. Tu verras les vidéos. Ah, s'il est validé, alors c'est bon, c'est bon. Yes, donc ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu, mais ça fait 10 ans que tu es sur scène, un peu plus peut-être. Il y a 10 ans, tu as fait un titre qui s'appelle Yes Papa, tu l'as joué ce soir sur scène, ils étaient à fond. À l'époque, c'était pour expliquer, et je t'avais interviewé à ce sujet-là, pourquoi on t'appelle Papa Style. Et là, donc, tu l'as repris, tu l'as réadapté, tu es audacieux. Vraiment, tu as sorti ce titre-là dans un autre style. Tu nous emmènes vers l'électro. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? Le choix de l'électro, le choix de Yes Papa en électro ou un peu le tout quoi ? Eh bien, en fait, le choix de l'électro, en fait, c'est surtout le choix de la liberté, me sentir libre de faire tous les styles de musique qui me plaisent. Demain, si j'ai envie de refaire d'ailleurs, ça me démange un peu en ce moment, un gros dub électro, tu vois. Je crois que c'est un prochain truc que je vais faire. Après, ça va être une rythmique hip-hop, on va remélanger l'électro. Là, on est en train de remixer le truc de Tetris que j'ai fait en live. Mais là, c'est carrément du UK électro, tu vois, ça peut passer drum and bass. J'ai ressorti le Yes Papa, donc, qui est dans une autre couleur, toujours un peu électro, mais qu'il y a quand même la rythmique reggae, etc., tu vois. Donc, c'est le choix de la liberté que j'ai pris. Parce que personnellement, je commençais vraiment à me sentir à l'étroit, que dans le reggae, que dans le raga, avec tous ces codes, avec tous ces trucs-là. En tout cas, moi, voilà, j'avais besoin de plus d'ouverture. Et il y a ça. Et j'ai aussi fait le choix parce que aussi, je pense, c'est une histoire de vie, mais je me suis vraiment réconcilié avec le gamin que j'étais. Enfin, toi, là, tout ce qu'on a grandi. Et donc, le gamin que j'étais, eh ben, il était dans les années 80. Sur son premier skate, et il était tout le temps féru de 45 tours de nouveautés. Et à l'époque, on écoutait beaucoup de la new wave, du hip-hop électro, c'est le début de la house, c'est le début de tout ça. Et moi, j'adorais ça. Évidemment, je commençais à écouter du reggae, mais j'écoutais vraiment beaucoup de choses différentes, tu vois. Et c'est ça qu'on retrouve, et c'est ce que j'espère que j'ai réussi à transmettre ce soir dans le live, où j'ai dit, je mélange les genres pour réunir les gens. Oui, c'est ton slogan, ça. Tu me fais la transition directe parce que, on passe à la dernière question directement. D'où te vient ce slogan-là, mélanger les genres pour réunir les gens ? Elle vient d'où, cette idée-là, de faire cette phrase-là ? Cette phrase-là, elle vient, en fait, ça fait un moment que... Donc, tout au long, j'ai élaboré ces nouveaux sons, parce que l'album n'est pas encore sorti, hein, maintenant. L'album est là, mais tu sais ce que c'est, on cherche les bons partenaires, les trucs, machin, pour que ça sorte le mieux possible, surtout via les concerts, parce que moi, c'est mon truc, hein, le live. Hein. Et donc, ça... Et pendant cela, donc, tu as le temps de gamberger un petit peu tous ces trucs, ou de ressentir des trucs. Tiens, on va faire ça, tiens, ça, après, ça sera comme ça. Donc, tu penses à plein de trucs, tiens, les prochains clips, voilà, tu cogites. Et je me disais, mais... Faut que je trouve j'y pensais souvent, une phrase, un slogan, tu sais, pour dire, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Là, je sais que sur les réseaux, j'ai plein d'idées. Bon, là, j'ai pas trop le temps, mais j'ai plein de freestyles qui sont déjà prêts, où je pose justement sur des hits incroyables qui n'ont rien à voir, tout ça, je mélange tout ça. Et je suis là, mais j'ai la trouvée, cette phrase, j'ai la trouvée. Et en fait, il y a un soir, je mate un reportage qui est magnifique qu'ils ont mis sur Disney. Incroyable. Et c'est le Stax, pas le Stax Festival, mais c'est aux États-Unis dans les années 70 à Harlem, il y a eu un festival musique black, tu vois, à l'époque, pour reprendre les termes de l'époque. Et donc soul, fin, etc. Alors moi je suis fan de ça. Donc je suis plongé sur le reportage qui est mortel. C'est en plusieurs épisodes. Et il y a plein de belles phrases qui partent là-dedans. Parce que les gars sont encore vivants, ils en parlent. Ils disent bah voilà, nous. Et donc il y a un côté donc soul music qui était à fond, mélangé au gospel. Et mélangé avec cette attitude un peu hippie quand même à l'époque, années 70, tout ça. Donc il y a de très belles phrases, de très belles réflexions qui sortent dans ce reportage. Et à un moment, il y en a un qui sort une phrase comme ça, un petit peu dérivée. C'est pas exactement la même, mais... Et là, il était 1h du matin, j'étais en train de regarder le truc, et je suis... Oh putain, c'est ça que je cherche.
Mélanger les styles pour réunir les gens. C'est maintenant ta marque de fabrique et très très belle idée parce que c'est ce que tu fais, c'est ce qui te représente. Pas rangé dans une seule case. Tu as ouvert ton univers, tu as ouvert ton horizon et ça te va très très bien. Et je reviens sur ce petit déhanché que tu adaptes très bien. Donc ben voilà, toi t'es audacieux, on te voit dans un nouvel univers musical auquel on ne s'attendait pas. Est-ce que ça fait partie, avec le titre que tu viens de sortir, est-ce que ça fait partie d'un nouveau projet qui va arriver ? Oui, ça fait partie d'un nouveau projet qui va arriver. Comme je te le disais, on a pratiquement tout enregistré, on est en train de peaufiner encore des titres. Comme j'ai toujours plein d'inspi, puis Bruce Lears, donc le gars qui me fait mes prods, électro, tout ça, c'est quelqu'un qui vient de ce milieu-là. On a toujours des idées, des trucs en plus, donc alors on rajoute. Et voilà, et en attendant, les sons ils sont prêts. Et surtout, je cherche pour le sortir. Maintenant, il y a beaucoup les artistes, tu sais, hein, t'as vu, on est tous indépendants, on peut sortir nos trucs nous-mêmes, les réseaux. Moi, je fais mes clips moi-même. Je fais tout, pardon. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu es totalement autoproduit. Tu fais tes propres clips, tu écris tes chansons, tu fais tes musiques aussi parce que tu te fais aider par celui dont tu viens de parler. Mais tu fais tout seul depuis plus de 10 ans. C'est hallucinant. Merci beaucoup. Et puis bravo déjà parce que c'est toi qui sors dans tout ça. Bah merci Giga, ça fait plaisir. Mais c'est voilà, bah je suis content de l'entendre. Mais oui, je fais tout moi-même. Surtout les clips maintenant, je suis à fond là-dedans. J'adore la vidéo, le film. Et donc pour répondre à ta question, bah ce projet donc il est prêt. Nous on est bouillant, tu vois. Tu l'as vu sur scène, tu vois, c'est prêt. Et j'ai surtout envie pour le sortir qu'il y ait une belle. J'aimerais qu'il y ait une belle tournée avec parce que ça a du sens. Moi c'est mon truc la scène. Ça accompagne. Donc voilà, faut des partenaires à ce niveau-là, faut une belle tournée. Et dès qu'on a ça, bim, ça va sortir. Le truc est prêt. Après, on met ça sur TuneCore, chez les visuels, j'ai tout. C'est parti. Après les clips, enfin voilà. Yes. Donc t'as tout dessiné, la pochette. Ouais. Tout est prêt. Le projet, on donne une date de sortie ou t'es pas sûr encore ? Bah non, du coup, mais dans l'année, là, on va parler en année scolaire, on va dire 2024-2025, et voilà, c'est prévu pour là. Sans faut que ça sorte. Donc on doit s'attendre à une sortie prochaine, soit d'un LP, soit un album. On en parlera dans Kikaliente avec plaisir. Est-ce que tu as, avec toutes les collaborations que tu as pu faire, est-ce que tu as des nouvelles collaborations en perspective sur ce projet-là ? Alors, bonne question. Pour l'instant, il n'y a aucune collaboration d'enregistrée. Mais parce qu'au début, j'étais vraiment focus sur mon truc, tout ça. Je disais le gamin, tout ça, la réconciliation, donc je faisais mes sons et tout. Et maintenant, j'y pense. J'ai rajouté une ou deux, trois collabs, donc j'ai quelques noms en tête, que des proches en plus, des potes, et je vais leur pas tarder à leur dire, vas-y, on se fait un truc, t'es chaud. Mais voilà, pour l'instant, je peux pas dire qui, parce que, pas pour faire genre, ah, surprise et tout, mais voilà, je peux pas dire parce que... Ils sont pas au courant, hein. Ils sont pas au courant encore. Non, ils sont pas au courant. Merci, en tout cas, Papastel, pour cette interview, merci pour ton temps. Tu disais que t'étais pressé, le vidéomontage, ça prend énormément de temps, plus les tournées que tu fais. Tu veux tourner dans des salles, tu veux tourner en extérieur, t'as des préférences ? Non, moi j'aime chanter partout. J'aime les concerts comme là, sur la scène, c'est le feu, etc. Tu descends en bas, il y a tout, enfin les grosses scènes quoi. Ça je kiffe, mais j'adore aussi, il y a une semaine j'étais à Seignos dans un café-concert, où d'ailleurs le lendemain il y avait Lordco City, tout ça, enfin j'ai fait un freestyle, soir avec lui, et, enfin avant lui. Mais voilà, j'aime aussi cette proximité, foutre le feu dans un bar, je fais toujours mes tournées de montagne d'où je viens, dans les Alpes, donc là c'est le gros bordel, les gens ils sont à côté de toi, ça renverse des bières, les cafés-concerts, dehors, j'aime bien aussi dehors, les pieds à même la rue. J'aime vraiment tous types de concerts. Évidemment que là, quand on arrive sur des concerts comme ça, bon là, on se régale, c'est le gros truc, il y a du gros son, tout ça. Mais sonde aussi, son de système, là, il y a de plus en plus de murs de dub. Et ça, c'est qui ? D'ailleurs, ce soir, j'allais faire des freestyles après. Oui, parce que juste là, il y a Bigarang, c'est Attili, tu vas y aller pour t'éclater. Tu profites aussi de ça, d'être ici sur place. Et tu restes jusqu'à quand ? Je reste, plus je rencontre des gens dans le festival et plus mon heure de sortie, elle devient complètement floue. Et tu me parles de ça, évidemment, il y a mon frangin Bigal qui est en train de chanter, on l'entend. Donc ça, c'est cool. Et par exemple, là, toi, je suis comme un gosse. IAM, par exemple, moi, je fais ça depuis que je suis gamin et je les avais jamais rencontrés. Bizarrement, on n'a jamais fait de scène ensemble, enfin, là, j'étais les tchèques, on a discuté, on a des potes en commun, on a parlé rap, on a parlé de ça, et tu vois, ça fait partie aussi des bons petits moments. Et puis aussi rencontrer les gens, tu vois, moi j'ai couru de la scène, j'ai été tout de suite au stand artiste, avec mes CD sous le bras, mes affiches sous le bras, mes marqueurs,
je traverse, déjà j'ai du mal à traverser les gens, ils me sautaient dessus, on a fait plein de photos, plein de délires, et après j'ai passé, je crois, 2 heures à peu près, à signer que des avis, mais tu vois, ça fait partie du truc, enfin... Ça fait partie du travail d'artiste d'assurer son merch derrière et d'être en contact avec ceux qui t'écoutent, ceux qui te suivent, ceux qui font que tu perdures encore. Et bravo pour tout ça. Merci. Je te libère ? Ouais, moi j'ai le temps en fait. Je vais m'emmener bien là avec Kika. Reparle encore de mon déhanché, s'il te plaît. Eh bien écoute, en tout cas, bravo pour tes danses, bravo pour la scène. On t'a vu t'éclater sur scène, de long en large, en travers. T'as été très proche du public aussi parce que tu es descendu, comme tu disais. T'es monté sur les barrières. T'as kiffé encore. Bravo et merci. Merci à toi, Kika. Et merci aussi à des gens comme toi qui continuent à faire des interviews. Avant, il y avait les fanzines, il y avait tout ça, les bénévoles. C'est sincère ce que je dis, c'est pas pour conclure le reportage comme ça, mais c'est vrai, c'est un truc que je pense, tu vois, souvent, tu prends un festival comme là, si t'enlèves les bénévoles, on fait comment, nous ? Je fais comment pour chanter ? Bigaï, il chante pas là, là, moi je chante pas avant, enfin, tout s'écroule, et des gens comme toi aussi qui continuent à faire avancer la culture par passion, etc., tu vois, je fais ma radio, je fais mon truc, je fais mon site web, tu vois, etc., et tout cet ensemble fait que ça tient la route, ça continue, tu vois, et ça c'est cool. Et on sait de quoi on parle, c'est pour ça qu'on parle que le temps est précieux. Allez, je te libère cette fois-ci, merci beaucoup. Merci.